Bonsoir, vous allez bien? Donc aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite et aujourd'hui on va faire un mode qui est sorti vraiment de nulle part, on ne l'attendait pas du tout, c'est le mode 50-50 2.0. Donc voilà, il a refait sa réapparition pendant que le gant de Thanos, enfin le gant de l'infini est toujours là. Donc vous voyez, voilà. Donc écoutez, c'est parti. Alors moi j'ai le bus qui est au nord de la map, donc vous voyez celui qui est là. La zone qui est juste entre Title et Dusty Depot, donc enfin Divo. Donc je pense que eux en face ils vont principalement aller vraiment du côté de Dusty Salty Little. Nous ils vont aller du côté de Titan, donc je vais peut-être essayer d'aller peut-être sur du Snowy parce que je vais même Greasy, je pense peut-être avoir du monde. Ou peut-être aller au gymnase, je sais pas. Non j'allais. J'allais sur Snowy, je vais passer par le gymnase et voilà. J'irai jusqu'à Titan juste après du coup. Donc j'essaie de me se faire assez rapidement et puis on se retrouve juste après. Oh le chaos inattendu. Alors franchement je pensais vraiment pas l'avoir. J'ai vraiment une air de merde et le gars je lui tire 3 balles, il meurt direct. Ouais j'allais te finir moi. Hop là voilà. Magnifique. Donc comme vous pouvez voir mon stuff n'est pas vraiment ouf. Donc là ça, je viens de récupérer quand même une scar, je me sens un peu mieux. Mais voilà, lui je pensais vraiment pas l'avoir vu l'air que j'avais, c'est l'air grise. Honnêtement c'est pas la meilleure donc bon. Donc là j'ai commencé à rejoindre un petit peu les alliés. Vous pouvez voir qu'ils sont tous sur Title. Donc c'est un peu le bordel mais bon tant mieux. Donc là comme vous voyez je fais pas comme la dernière fois, c'est à dire je fais pas d'opération ninja, je reste pas derrière les ennemis. Là je reste vraiment avec les alliés, j'essaie de gérer un maximum avec. Parce que par là il y a du monde, non. Petit colis qui arrive. Ah, ils sont tous là en face, là, presque. Oh, puis ils ont fait une structure ici. Ah, oh, c'est portugais. Donc, j'ai rejoint la zone de combat, et juste là. Il y a un peu de monde un peu partout, on va essayer de faire un frag, peut-être. Hop, toi là-bas, je t'ai vu. Ok, il y a un KO. Bon, je mitraille un peu tout. Deuxième KO. Ouais, faut que je me mette à couvert, faut que je me mette à couvert. Ouh, j'ai pris cher. Heureusement que j'ai mes popos encore sur moi. Alors ce que je vais faire, c'est que j'utilise mon lance-grenade tout simplement. Et je vais détruire un peu tout ça. Je vais faire tout. Oh, un KO. Il est mort. Ouh, j'en ai éliminé un deuxième. Première fois que je suis autant de frag avec mon lance-grenade. C'est le but, je suis vraiment nul, honnêtement, avec. J'ai bougé de là. Là, j'ai plus assez de portée là. Enfin, que je recule. J'ai quand même déjà 4 frags, hein, c'est déjà pas mal. Ah, il faudrait que j'avance encore un petit peu. Ça va que je trouve un peu de bouclier aussi, ça m'arrangerait. Oh, bien joué, gars. Ça par contre je vais prendre. Ok c'est bon. Ah c'est la guerre, c'est la guerre. On est en train de reprendre vite fait l'avantage. Ouh lui. Non, j'ai plus cher. Non il me l'a mise. Eh les gars, nique-le. Aidez-moi aussi, aidez-moi. Alors cette fois-ci je vais faire à peu près la même technique, c'est-à-dire que là je vais sauter du côté de Greasy, parce que vous voyez que la zone est du côté de Flash Factory. Donc je vais vraiment aller sur le côté de Greasy, je vais pas directement aller en zone parce que du coup les ennemis ont pu spawn à partir de là, donc eux je pense qu'ils sont partis vraiment tous en zone là. Alors c'est vrai que sur Greasy il risque d'y avoir un peu de monde, mais bon c'est pas grave, je prends le risque au moins de ne pas avoir trop de stuff, mais d'être proche de la zone.
Alors j'espère que l'équipe sera bonne aussi parce que bon, elle est dispatchée un peu vers le middle de map. J'aime pas trop ça, mais bon. Donc je vois que ça tire là-bas, il y a des ennemis qui arrivent, donc j'essaie d'y aller. Hein, vous pouvez voir que mon stuff n'est pas si ouf que ça encore une fois. Hein. En ce moment, je sais pas, j'arrive pas à avoir des bonnes armes, donc bon, c'est pas grave, j'essaie de me débrouiller avec ça. Donc cette fois-ci, je peux essayer de pas faire mes conneries que tout à l'heure, c'est-à-dire rusher comme ça comme un con et louper mon ennemi qui est juste à côté aux pompes. Là, ça tire quand même assez sévère. Ils sont où? Où ils sont là en bas? Touché, touché. Donc là, les ennemis sont en bas. J'essaie de les avoir. Lui, il faudrait qu'il se remonte parce que je lui ai mis quand même assez cher. Ok, il y en a deux encore par là. J'en avais un à partir du niveau du sapin. Touché. Ok, KO. Putain, c'est une bonne nouvelle. Il y en a encore un qui tire au RPG en dessous. J'essaie de l'avoir. Il est où? Ok, KO. Ça, j'en ai fait deux KO. Ça pourra quand même le réanimer, hein, la moindre des choses. Alors ici, je suis à la bonne position de guerre, honnêtement. Je vois tout ce qui se passe, c'est le bordel. Tout le monde qui court partout, c'est waouh. Donc j'essaie d'aller rusher, essayer de me faire peut-être un frag encore. Le problème, c'est que mon équipe, elle est là-bas. J'ai peur de me faire avoir en étant trop derrière l'ennemi. Alors là, ça tire. Ah, il y a un blessé là-haut. Mais il est mort. Donc dans le bâtiment, je sais qu'il y a un ennemi. Je sais qu'il y en a un qui était sur toi tout à l'heure. Je sais pas si c'est le même. Je vais vérifier de toute façon. Il y a l'ennemi. C'est tendu. J'ai réussi quand même à me faire un blessé. Ou par contre, son bug de la discothèque. Ok, il est mort. Allez, gars, vous êtes chaud, tout ça en danse. Ok, alors toi. Allez, je prends mon allié. Ouh, je récupère mon pompe en plus. Voilà. Alors, faut savoir que j'ai pas construit une seule fois. Voilà à quoi ressemble la ville maintenant. C'est n'importe quoi. Mais par contre, toi, t'auras pas de mine. J'ai pas de mine, c'est bon. Alors, je suis venu ici, c'est juste pour une chose, pour montrer ça. La ville du dessus. Elle ne ressemble plus à rien. Même ici, c'est une plateforme faite par les joueurs. Vous pouvez voir qu'il y a du bois vraiment partout. Lui, il s'amuse à construire. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça qui est bien sur ce mode-là 50-50, c'est qu'au moins, quand on est sûr de gagner, au moins, on fait n'importe quoi. Et là, ça donne des belles structures. Bon, par contre, il nous reste deux et je sais toujours pas où ils sont. C'est pas la zone qui m'empêchera de danser. Il y a un ennemi, là. Ok, j'ai mis KO un ennemi. Ok, pourquoi pas. Allez, il reste plus qu'un du coup. Malheureusement, je pense que c'est la zone qui va devoir nous tuer. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est l'ennemi. Je crois qu'il est pas très loin. J'essaie de garder mes PV un maximum. C'est le bordel ici. Allez, on est tous dans la tempête. Je sais pas du tout où est le dernier ennemi. S'il a toute sa vie, il peut nous avoir, honnêtement. Ah, ça y est, on a gagné. Ils ont également pensé au skin de pigeon sur Fortnite, sauf que là ils l'ont appelé à poule. Mais moi c'est un peu comme ça que je joue à se cacher tout le temps sur Fortnite. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de la vidéo.
Donc bon, je voulais faire une partie supplémentaire, sauf que si c'est pour qu'elle fasse comme la partie là que je viens de faire, elle va durer, cette vidéo qui a duré vraiment 20 minutes, une demi-heure, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie, hein. Je préfère vraiment vous laisser des vidéos courtes mais qui soient quand même amusantes à regarder. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez la liker, la commenter, la partager. N'hésitez pas à vous abonner, puis écoutez, moi je vous dis à une prochaine, ciao.